Bonjour. Durant cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités de Google Chat. Une fois que vous êtes identifié sur le portail de Google, cliquez sur le lanceur d'application, vous trouverez Google Chat ici même. L'interface de Google Chat se divise en deux grandes zones. Vous avez tout d'abord la colonne de gauche où se trouvent vos contacts, les salons de clavardage que vous avez créés ou que vous avez rejoints, et enfin les programmes informatiques qu'on appelle les bots. À droite, la vaste zone de discussion. En cliquant en haut, vous trouvez la liste des membres, vous pouvez lancer un nouveau fil de discussion, ainsi que suivre ou désactiver les notifications. À droite, vous y trouvez les réglages, ce qui vous permet essentiellement de régler le fonctionnement de l'application. Au passage, c'est le moment de souligner que Google Chat fonctionne via le web, comme c'est le cas ici, mais aussi sur vos appareils mobiles iOS ou Android. Enfin, en bas de la zone de discussion là où vous pouvez insérer du texte, vous avez donc l'historique de conversation que vous pouvez activer ou désactiver à la volée, publier des fichiers qui sont présents sur votre ordinateur. si je clique ici, je peux donc aller chercher des fichiers. vous avez un lien direct avec votre google drive. vous avez accès ici, notamment, au drive partagé, ce qui est particulièrement utile dans un cadre scolaire. Vous pouvez initier directement une session Google Meet. Et enfin, cerise sur le strudel, les emojis. Reprenons un salon de discussion très rapidement. Vous pouvez voir ici différentes zones, que l'on voit bien ici. Cette longue discussion ici. Ce sont des fils de discussion. Vous pouvez donc scinder les discussions avec plusieurs des participants au travers de fils de discussion. Concernant la recherche, vous pouvez chercher des personnes existantes, vous pouvez créer un salon, vous pouvez inviter d'autres personnes à discuter, et vous pouvez ajouter les fameux bots. Si je clique dessus, vous voyez ici le catalogue de ces mini-programmes, il y en a pour tous les goûts. Mes préférés seront très clairement Google Drive, qui vous permet de voir justement les modifications qui ont été apportées sur des documents, ainsi que des commentaires et toute autre activité sur vos fichiers. Et enfin, mon deuxième préféré, c'est le gestionnaire de rappel, puisque vous pouvez initier directement en chatant eh une nouvelle session, une nouvelle réunion. Vous voyez par exemple ici, je vais créer un nouveau rappel. Voilà. Cliquez sur le lanceur d'application, puis vous trouverez Google Meet. Voici l'application de lancer. Nous parlons ici de l'application web. Google Meet est disponible sur iOS et Android. Google Meet s'interface complètement avec votre agenda. Vous voyez qu'ici, j'ai justement une session Google Meet à 15h45. Mais je vais en créer une nouvelle. Je vais donc donner un nom. Ici, Démo. Mon salon est créé. Mais il me reste quelques réglages à opérer. Tout d'abord, je peux choisir si je participe à une réunion d'équipe ou si je participe à une conférence. C'est ici présenter son écran. Si ma connexion GSM est plus efficiente que ma connexion ADSL, par exemple, je peux choisir de participer avec un téléphone. Et dans ce cas, je pourrais joindre ce numéro en fonction de mon pays. Vous voyez que nous y trouvons la Belgique. On tape ce numéro. Ensuite le code et nous pouvons rejoindre la conversation avec notre téléphone. Quelques réglages supplémentaires. Nous pouvons ici activer les sous-titres. Pour le moment, ils ne sont disponibles qu'en langue anglaise. Et enfin, vous pouvez basculer d'une caméra à une autre si vous en disposez de plusieurs, comme c'est mon cas ici sur ce Chromebook. Participons à la réunion à présent. Me voici en ligne avec les derniers rappels que je peux communiquer justement à mes correspondants, notamment cette adresse ici. Je ferme pour le moment. Faisons un petit peu le tour de l'interface, elle est ma foi relativement simple. Vous pouvez cliquer en haut à droite et vous avez l'espace de chat. Vous pouvez donc ici échanger. Bienvenue à tous. Voilà. Je suis le seul participant pour le moment. Sinon. Vous avez la liste ici des participants et vous pouvez en ajouter à la volée. Je ferme cette partie-là. Allons en bas à droite. En bas à droite, vous pouvez présenter et notamment présenter votre écran ou une fenêtre seulement de l'écran. Les points de suspension nous rappellent les fonctionnalités que nous avons vues tout d'abord, plus un petit détail supplémentaire, en l'occurrence, enregistrer la session. Dans ce cas, votre Google Chat est enregistré directement dans votre Google Drive une fois la session terminée. Voici pour cette rapide visite de Google Meet. N'hésitez pas à l'utiliser par vous-même, surtout en ces temps de confinement.